Les gestes appartiennent au même monde éphémère que les paroles. Ils s'effacent aussitôt qu'apparus. Une ligne d'écume borde les zones de l'inachevé, de l'incertain et de l'improbable. Dans les marges des livres, on voit parfois des restes de l'épiphanie qui a interrompu le mouvement des yeux se déplaçant sur la page au rythme de 800 mots par minute. Ce sont des traces de lecture, les jets d'une idée, les fusées d'une émotion. Manuscrit 0580, feuillet 141, verso. Manicule dans marge droite, en regard de tactus. La manicule est une petite main que dessinaient jadis les lecteurs sur les joues pâles des livres, à distance de l'axe vertical du texte qui va du blanc de tête au blanc de pied, et distribue les mots de gauche à droite sur toute la surface du rectangle d'empagement. C'est un geste de lecture pour indiquer ce qui a retenu l'attention, doit être gardé en mémoire ou sera commenté plus tard. La manicule est une trace en forme de petite main que l'on trouve dans les marges des manuscrits et des incunables à partir du IXe siècle. Elle a l'index pointé sur une phrase articulée par une bouche imaginaire dont les deux émilèvres se touchent en formant l'arc de Cupidon. Un lecteur fait signe sur la peau animale, chèvre, mouton, veau, une motion intérieure affleure sur le parchemin. Il a bien fallu les peaux d'une centaine de bêtes pour faire le codex de plus de 300 pages qui est maintenant ouvert devant moi dans la salle de consultation de la bibliothèque de la Sorbonne. C'est un traité médical du XIIIe siècle. Hippocrates cum commentum Gallieni. Dans les marges, je vois tout de suite les petites mains qui travaillent, élargissent les bords, ajoutent des rivages dans les blancs, creusent des abîmes, pointent des mots, pointent sur moi leurs mots, lectrice soudain semée de quitter son île pour faire commentaire, désignée jusque dans son incarnat pâlissant à la vue de tous ces fantômes. Il convient d'apprendre au lecteur que la jeune femme avait, au milieu de la joue gauche, une marque singulière qui paraissait imprimée entre la chair et l'épiderme. Cette marque affectait une teinte cramoisie qui disparaissait presque lorsque le sang lui montait au visage. Mais si par une émotion quelconque elle venait à pâlir, la marque semblait une fleur de pourpre sur un tapis de neige. Comparaison que son mari ne manquait jamais de faire. En réalité, elle présentait la plus grande ressemblance avec une main humaine. Mais à vrai dire, une main de pygmée. Mars 2020. Dans la salle de la réserve de la bibliothèque de la Sorbonne, qui compte 20 places, nous ne sommes que 3 personnes. Le bibliothécaire m'apporte le premier codex. La pièce s'emplit de la présence des bêtes et des mots. Je tourne des pages vieilles d'une dizaine de siècles et la texture diaphane de la peau de Pergame exacerbe mon toucher. C'est bien vivant. Je sens que mon rythme cardiaque s'accélère. Dilatatio cordis. Gonflement du cœur. Synesthésie, je suis guérie de toute hypocondrie. Il n'y a ni titre, ni table des matières, ni ponctuation, ni pagination. Je ne trouve aucun des repères qui me sont habituellement familiers pour m'orienter dans un livre. Je le manipule avec précaution et je trouve finalement un titre sur la tranche que je n'avais pas encore vu car l'ouvrage a été directement déposé avec soin sur sa couche de velours gris par les mains gantées du bibliothécaire. Ce sont les commentaires faits par Galien de Pergame aux aphorismes d'Hippocrate de Cos, tous deux médecins à 6 siècles d'intervalle. Quelle veine ! J'ai justement lu, il y a peu, des fragments d'un traité médical de Galien sur le pouls, où il raconte plusieurs anecdotes relatives au désespoir amoureux, accélération du cœur datant du IIe siècle. Le souvenir m'en vient à l'esprit au moment où mon regard tombe sur la première page du codex, consciencieusement dévorée par des insectes kératinophages. D'Hippocrate, je sais qu'il a fait de sa pratique une discipline en rédigeant des traités précis à partir de ses observations de cas, et que des générations d'étudiants en médecine lui prêtent serment chaque année depuis des millénaires. Le fameux serment d'Hippocrate leur permet de conjurer le mauvais sort qui les conduirait à enfreindre les règles de la déontologie médicale.
La légende veut qu'Hippocrate, médecin aux cheveux bouclés et au regard franc, descende d'Asclépios, le dieu de la médecine, lui-même fils d'Apollon et d'une mortelle prénommée Coronis. Il semble qu'il ait parcouru la Grèce entière prescrivant des remèdes au domicile des malades ou dans l'un des sanctuaires du pays. Le plus vaste se trouve à Épidaure, dans le Péloponnèse. Les malades y venaient dans l'espoir d'être visités en rêve par le dieu guérisseur. Désormais, la nuit, il n'y a plus âme qui vive sur le site sinon les lézards et les rats de la peste noire qui traversent les ruines où déambulent le jour des milliers de touristes. Chaque année, sous un soleil de plomb, cherchant de leurs yeux éblouis les images du passé dans les blocs de pierre épars au milieu de l'herbe brûlée, ils découvrent dans les vitrines grises d'un musée de fortune les vestiges de la médecine antique. La consultation onirique d'Asclépios se pratiquait conjointement à des remèdes mêlant formules magiques et gestes rituels, modes d'agir et techniques corporelles parentes de celles des tribus australiennes du Queensland décrites en 1934 par Marcel Mauss. Après avoir regardé les divers objets insolites collectés par les archéologues, les touristes d'Épidaure retournent sur le site cligner des yeux pour déchiffrer les panneaux d'indication dont les informations sont aussi sibyllines que les prophéties de la Pythie. En fin d'après-midi, ils repassent les tourniquets en métal qui les décomptent comme du bétail, emportant avec eux quelques cartes postales et une puissante dose de mélancolie, dont les séquelles se font encore sentir en moi dans la salle de la réserve de la bibliothèque parisienne. D'après les recherches que j'ai pu faire après mon passage sur ce site, Hippocrate aurait longuement séjourné à Épidaure au cours de l'épidémie de peste qui secoua la Grèce pendant la guerre du Péloponnèse en 426 avant notre ère. C'est peut-être durant ce séjour en Argolide, où l'odeur des pins parasols se mêlait à celle du pu et de la chair brûlée, qu'il a rédigé un traité sur les épidémies. Les quelques fragments conservés grâce aux commentaires qu'en fit Galien au IIe siècle se trouvent à présent sous mes yeux, dans la salle de consultation de la bibliothèque de la Sorbonne, le 5 mars 2020, jour anniversaire de ma mère et de Rosa Luxembourg. 5 mars 1901. Marcel Mauss n'a pas encore achevé sa lecture du livre d'Édouard Gaud. Il ne le rapportera au service de prêt de la bibliothèque de la Sorbonne que le 30 mars, en même temps que le Kathasarita Sagara, recueil de contes et légendes hindous dont la collecte en sanskrit, par l'écrivain Cachemire Samodeva, précède de plus de 5 siècles celle des frères Grimm. Il a emprunté les deux ouvrages le 26 décembre 1900, à en croire les archives administratives de la bibliothèque. Mauss vient d'avoir 28 ans et porte déjà moustache et barbe touffue, attribut de sa sauvagerie érudite, masque de poils qu'il gardera toute sa vie. Il a soutenu sa thèse sur la prière aux mains jointes, publié 8 ans plus tard, et obtenu la chaire d'histoire des religions des peuples non civilisés à la 5e section de l'école pratique des hautes études. Mauss sort de la bibliothèque de la Sorbonne le 26 décembre 1900 avec les ouvrages nécessaires à ses études sur l'indologie. Il prépare ses cours pour Sylvain Lévy, son professeur et son ami, qu'il rejoindra à la direction de l'Alliance israélite universelle en 1931. Mauss n'a pas fêté Noël et n'a pas dîné la veille avec son oncle, Émile Durkheim, sur des nappes aux motifs délicats tout droit sortis de la fabrique de broderie à main de l'entreprise familiale en Lorraine. Sa mère, Rosine, avec laquelle il correspond régulièrement, tient son savoir-faire de ses parents, une famille de rabbins convertis au textile et maîtrisant parfaitement la technique du point de croix. Au milieu des manuels de broderie de la bibliothèque de la maison d'Épinal où il a grandi, Mauss s'est fait une idée de ce que « techné » veut dire. Il perfectionne son idée en regardant les nageurs de la Moselle qui, comme lui, avalent et crachent l'eau en se prenant pour des bateaux à vapeur. On ne se débarrasse pas si facilement des techniques du corps, parmi lesquelles la manière de nager, de marcher, de se reposer, de manger, de faire l'amour, de prier et de lire, ces deux activités se complétant parfois, mains jointes et disjointes, selon que l'on récite les yeux fermés ou que l'on parcourt le texte les yeux ouverts.
Manuscrit 0132, feuillet 057, verso. Manicule, dans marge gauche, en regard de Cordis. Dans la salle de la réserve, je poursuis ma consultation d'Hippocrate commentée par Galien, où sont décrites les techniques de soins développées à l'Antiquité par les médecins. Mieux que n'importe quelle machine à remonter des chronologies multiples, le codex me propulse dans plusieurs époques. Non seulement le texte lui-même est le fruit de réécritures, compilations, traductions et copies successives, mais les bords portent les traces de multiples couches de lecture. Les voix se bousculent, index tendu, pour prendre la parole. Je me sens dans l'obligation de faire un peu de discipline. Je me concentre donc sur les deux textes principaux, celui attribué à Hippocrate, écrit à grosse maille, et son commentaire par Galien, en plus petit caractère. Les enluminures bleues, cyan et dorées à leur fin sont des scènes de consultation médicale, d'administration de remèdes et de palpation. Une fois ces petits bouts de peau collectés, et non sans avoir encore repassé dans mon esprit les quelques bribes d'informations surgies spontanément dans mon cortex insulaire au nom d'Hippocrate et de Galien, le découragement m'envahit. Je ne tirerai rien de ma lecture, mon incompétence philologique est trop grande. Comme un papillon au bord de la mort ou de la gloire, je demande à consulter le second ouvrage, espérant que je parviendrai mieux à le deviner. Des capteurs sensoriels spécifiques d'un raffinement inouï, nous le savons depuis quelque temps déjà, courent à fleur de notre peau. Très abondants dans certaines régions, les zones glabres surtout, et notamment l'extrémité des doigts et le bout de la langue, ils viennent apporter une confirmation scientifique rigoureuse à ce que les anciens déjà prenaient pour un phénomène évident, c'est-à-dire l'inégalité, clairement perçue, des diverses parties du corps relativement à la sensation tactile. Entre finesse du bout de l'index et rudesse des bas du dos, il existe un abîme. L'essai de Marcel Mauss sur les techniques du corps figure en marge de son œuvre, placé dans la vilaine rubrique que les sciences naturelles et le positivisme estampillent divers, mais que l'ethnologue affectionne entre toutes. Il y trouve l'hétéroclite, le singulier et les bricoles. C'est d'ailleurs sous une telle rubrique qu'il semble avoir placé sa propre vie. De celle-ci, on ne sait finalement pas grand-chose, sinon quelques grandes lignes auxquelles il est possible d'ajouter des détails, qui paraîtront aussi inutiles que oiseux à certains, je veux dire l'ensemble de ses prêts d'ouvrage à la bibliothèque de la Sorbonne entre le 26 décembre 1900 et le mois de juillet 1904. Cela donne une liste qui aurait sans doute plu à Georges Perec qui a lu de près le texte de Mauss sur les techniques du corps et dont l'œuvre se complaît elle aussi à collecter des faits banals passés sous silence, non pris en charge, allant d'eux-mêmes, mais qui pourtant nous décrivent alors même que nous croyons pouvoir nous dispenser de les décrire. Pour la seule année 1901, on verra entrer et sortir Mauss une dizaine de fois du bâtiment flambant neuf de la Nouvelle Sorbonne. Avec lui, quelques autres savants passent le porche, un livre sous le bras ou la sacoche lourdement garnie d'ouvrages. Ils marchent le corps en travers, nouveaux personnages de la jeunesse de Vienne, chassés du paradis pour avoir mordu aux fruits de la connaissance. Dans les rues des métropoles où souvent ils habitent pour ne pas être trop loin des bibliothèques, on les reconnaît à cette manière de tanguer sur un bord qui trahit l'ivresse mélancolique dont s'emplit le corps, rompu à la technique de la lecture. Georgina, est-ce qu'il ne vous est jamais venu à l'esprit de faire disparaître cette marque que vous avez à la joue ? Vous êtes sortie si parfaite des mains de la nature que cette petite tache qu'on balance à appeler défaut ou beauté me choque absolument comme une marque visible de l'imperfection humaine.
Le dictionnaire historique de la langue française nous raconte qu'en 1520, quelques savants ont emprunté le mot index à la langue latine pour en faire un nom masculin invariable qui désigne la désignation et, par la force des choses, celui des doigts qui s'en charge, le plus proche du pouce. Ce doigt dont le rôle est de pointer sur quelque chose ou quelqu'un l'attention est pareil à une aiguille indicatrice de température ou d'orientation. C'est aussi un dénonciateur, un sale type, un indique. Le mot est également appliqué au catalogue des livres dont le Saint-Siège interdisait la lecture pour des motifs de doctrine ou de morale. Ce catalogue, aussi appelé indice, a été supprimé en 1965. De ce sens vient la locution figée « mettre à l'index » pour signaler une chose comme dangereuse pour qu'on s'en détourne. Sur la liste auto, dressée par l'armée d'occupation allemande en septembre 1940, pour indexer les ouvrages à retirer de la vente et des rayons des bibliothèques, on trouve tous les ouvrages de Marcel Mauss. Appelé près d'une malade qui ne peut plus dormir, Galien constate qu'elle n'a pas de fièvre, et lorsqu'il la questionne sur chacun des points provoquant à sa connaissance l'insomnie, elle ne répond qu'avec hésitation ou pas du tout, et finalement lui tourne le dos, s'enfouissant tout entière sous les couvertures. Galien se retire, convaincu qu'elle doit souffrir d'une dépression de nature mélancolique ou d'un chagrin qu'elle ne veut pas confesser. Le lendemain, la servante de la dame lui dit que pour le moment, elle ne peut le recevoir. Le jour suivant, même chose, et plusieurs de suite. La semaine suivante, Galien revient la voir. Un homme, arrivant du théâtre, est avec elle qui lui raconte avoir vu danser Pylade. Le regard de la dame et la couleur de son visage sont absolument changés. Observant cela, Galien met la main sur son poignet et trouve que le pouls est désormais d'un coup inégal. Cela révèle que l'esprit est troublé. Le jour suivant, Galien dit à l'un de ses assistants d'arriver peu après lui et d'annoncer que Morphose danserait ce jour-là. Lorsqu'il l'annonce, Galien constate que le pouls reste inchangé. De même le jour suivant, lorsque Galien fait annoncer une chose identique pour le deuxième des danseurs, son pouls reste inchangé. Mais le troisième soir, il fait annoncer que Pylade dansera. Il voit que le pouls est aussitôt troublé. C'est ainsi que Galien découvrit que la dame était amoureuse de Pylade. Manuscrit 0132, feuillet 301. Paire de manicules dans marge gauche, en regard de Sepultura. Quelqu'un me tend la main depuis un codex médiéval et je la serre. Jamais je n'ai eu une conscience aussi aiguë du contact, et jamais il ne m'a été donné d'avoir une si parfaite représentation du toucher intime qu'est la lecture. Sous mes yeux, la manicule surgit de je ne sais quel au-delà, un monde dont j'ignore tout, mais qui me tend la main et va peut-être me tirer vers lui, en lui, un peu comme Alice de l'autre côté du miroir. J'ai le vertige devant ces mondes qui s'ouvrent. La manicule au poignet suspendu dans l'invisible laisse supposer qu'elle est reliée à un corps dont j'ignore tout autant à quoi il ressemble que le monde où il se meut. L'énigme se situe entre la main de Dieu et la bande dessinée, la révélation et l'anecdote. Qui me tend la main à travers les siècles? Sans doute un médecin scolastique étudiant à l'université ou un moine médecin qui exerce dans un hôtel Dieu, secondé par un apothicaire s'occupant du jardin botanique où se faufilent quelques lézards entre les plantes médicinales. Edgar Allan Poe choisit ses livres en fonction de la largeur des marges. Il les veut amples,
non par goût de la chose en elle-même, qui n'est d'ailleurs pas sans attrait, mais pour la facilité qu'il trouve à crayonner les pensées qui lui viennent en lisant. Il aime noter son approbation, son désaccord ou plus généralement quelques brefs commentaires critiques. Il se peut que ce soit là un pur caprice, une pratique très banale et aussi très vaine, dans laquelle il persiste malgré tout, car il en éprouve beaucoup de plaisir. Mes techniques de lecture sont proches de mes positions d'écriture. Entre la position couchée et la position debout, il y a la position assise qui fait rêver du fauteuil idéal. Lisant couchée, je glisse parfois dans un paragraphe avec mollesse et nonchalance, tirée au-dedans par le plaisir des mots. Ou bien je suis absente, préoccupée, courbée sur ma chaise, ne pouvant rien lire vraiment, mais ne pouvant pas davantage me passer de ce reposoir pour ma fatigue, mon inquiétude ou ma tristesse. D'autres fois, furieuse, méchante, je plonge dans un paragraphe avec un désir de mort et des volontés d'assassinat. La pointe d'un crayon braqué sur le texte raide à la table de travail. Les meilleurs jours, assise dans un siège confortable ou un fauteuil semi-incliné, parfois les pieds sur la table, je souligne d'un trait la phrase, j'entoure d'un cercle approximatif le mot, sans jamais m'apesantir, et si vraiment le bonheur a été là, si vraiment il y a eu la jouissance du citable, alors je m'en vais à la recherche de la première respiration. Mars 2020, la salle de lecture Jacqueline de Remilly de la bibliothèque de la Sorbonne est pleine. C'est le milieu du semestre pour les étudiants et le corps professoral. On entend de petits rires étouffés, des bâillements, des soupirs, des éternuements et des toux, des choses qui tombent, des choses qui crissent, des bribes de mots, des chuchotements, des corps qui bougent sur les chaises, le grésillement d'une musique dans la cave d'une oreille, des pages qui se tournent, la poussière qui se soulève, la lumière qui tombe. L'élémentaire et les atomes, un bruit qui fuit par le sol, frotte aux fenêtres, les échos mêlés d'inspiration et d'expiration, le tout sous un ciel de volutes aux courbes vertigineuses qui se dégagent du nom du lieu et de l'esprit de la scène. Après un long moment durant lequel le temps s'évanouit, le lecteur revient à lui-même en une bienheureuse synesthésie, béat, étourdi sur sa chaise par les heures de concentration qui finissent par s'élancer en crampes dans le cou, sous le coude, au creux des omoplates, le long de la colonne vertébrale, jusqu'à ce que remonte au cerveau et éclate le désir d'une pause. Café, chocolat, blague. On retourne ensuite dans la salle de la bibliothèque. On se rassoit dans le même espace dont il est impossible de dire s'il est intérieur ou extérieur, lieu du dedans ou du dehors, s'il est en nous ou hors de nous, s'il s'agit finalement d'un espace intermédiaire, aussi peu localisable qu'un rêve éveillé. Être lecteur, qu'est-ce que c'est? Montrer les mots du doigt ou bien être montré du doigt par les mots? Dans la plus grande salle de la bibliothèque de la Sorbonne, je me tiens entre Gérard de Nerval, Franz Kafka et Dominique Khalifa, lu à un écartement de main de moi, à droite, à gauche, en face. C'est le début du mois de mars 2020. L'épidémie ne bat pas encore son plein, le confinement commencera dans une semaine. Les étudiants s'en fichent que certains toussent, s'éternuent, se mouchent. Ils se prêtent leurs câbles d'ordinateur, chahutent, se tripotent, reviennent à leur lecture. Ils étudient la vie autant que les livres. C'est cela, c'est bien. Et sont distraits, ailleurs, puis concentrés, livre ouvert. Les lampes en laiton avec abat-jour diffusent un vert diaphane. Tous les livres de la pile mis de côté pour moi par les soins des bibliothécaires portent de nombreuses traces de lecture. Le premier est un ouvrage de Jean-Louis Chrétien, La joie spacieuse, avec un soulignement en rouge à la page 34. Dilatatio cordis, la dilatation du cœur. Tout est là. Après un moment de lecture, je relève la tête. Mon voisin aussi.
Il pose Kafka, se lève et sort. Ma voisine d'en face, qui ressemble à Virginia Woolf, s'enfonce sur sa chaise et rentre les épaules dans son cou, remonte le livre sur son visage et s'acharne. Je me remets aussi au travail. La pile est encore haute et elle ne représente qu'une infime partie des ouvrages retirés des rayons et placés dans l'armoire des livres abîmés, qui partiront au pilon après qu'une enquête ait été menée pour retrouver le coupable. Les bibliothécaires sont passés maîtres en la matière pour démasquer la main qui s'est livrée aux soulignements compulsifs, aux annotations, graffitis, découpages et lacérations des pages. Que certaines notes prennent telle ou telle forme n'a guère d'importance pour qui se soucie du respect de l'intégrité des biens communs d'une bibliothèque. En ce cas, les manicules ne sont que des macules. La main mystérieuse avait attaqué le principe de la vie. Elle était le lieu caché qui l'unit à sa dépouille mortelle. À peine ce signe de l'imperfection humaine eut-il disparu, que Georgina laissa échapper son dernier soupir. Il est remarquable que les ouvrages portant les marques de lecture les plus sauvages et trait à des sujets politiquement délicats. Le plus frappant a été pour moi de trouver l'ouvrage d'Annette Viviorca, Déportation et génocide, dévoré sur les bords par je ne sais quel animal anonyme doué d'une haine qu'ignore en temps normal les bêtes. À côté, un ouvrage collectif intitulé « La décolonisation britannique » publié par la maison d'édition Fahrenheit Book, dont la couverture porte justement des traces de feu témoignant du caractère brûlant de son propos. Sans doute, une bibliothèque a-t-elle pour rôle de conserver entre ses murs des livres qui sont autant de points d'auto-ignition de notre mémoire. Entre les pages des livres de la bibliothèque de la Sorbonne, j'ai encore trouvé quelques traces non écrites laissées par des lecteurs négligents ou distraits. Tickets de métro, bouts de papier illisibles, buvards maculés, photographies donnant soudain un visage aux mains qui ont tourné les pages. En trouvant un photomaton vintage, j'ai été frappée par le doux pouvoir des livres de nous raconter les histoires de nos vies, en dehors même de ce qu'ils écrivent. Thank you.